Okay, hello, this is Jeanette with Self-Esteem Work. Oui, c'est Jeanette avec mon travail de estime de soi. Aujourd'hui, je parle du travail du contraste. Hein? Quand on parle du contraste, on fait la différence à ce qui est un bon choix et qu'est-ce qui n'est pas un bon choix. Hein? Qu'est-ce qui est une c'est quelque chose de santé et qu'est-ce qui n'est pas de santé. Qu'est-ce qui est patient, qu'est-ce qui n'est pas patient? Qu'est-ce qui est patiente, qu'est-ce qui n'est pas patiente? Qu'est-ce qui est d'une place de... Qu'est-ce qui est une place de sécurité, qu'est-ce qui n'est pas une place de sécurité? Le travail de contraste, OK? Entre véritable dans la dynamique au sujet de ce qui est sain et qu'est-ce qui ne l'est pas? On observe, on absorbe pas, mais on observe. Absorber, ce serait dire, ah, c'est de ma faute, ma grande faute, c'est de ma faute. Observer, c'est, oh, c'est quelque chose à apprendre. Je peux enseigner quelque chose à propos de ça, je peux m'enseigner quelque chose à propos de ça. Une nouvelle manière de voir les choses. C'était ouverte, pas ouverte à des affaires qui n'est pas correct, mais ouverte à grandir, à écouter, à grandir, à faire des meilleurs choix. À tous les jours. Dans ma langue maternelle, le français, le travail de contraste fait que c'est la différence entre quelque chose qui est mieux et quelque chose qui n'est pas ça, puis c'est mieux. C'est même qu'on apprend. Oh, la première chose, c'est plan A, c'est toujours le meilleur. Plan B, c'est pas du temps le meilleur. On apprend. En anglais, on dit amour versus la haine. Ou la lumière versus la noirceur. Ou les bonnes relations versus les bons, pas bonnes relations, etc. Nous disons que le bien qui emporte, nous disons que le bien qui l'emporte toujours sur le moins bien, hein, qui emporte toujours sur le moins bien. Et le trou dans, c'est le moins bien, c'est le métaphore, le trou dans le sol, peur et ressentiment, la codépendance, le sentiment qui ne se sent pas trop bien. Quand on franchit notre respect, comme un exemple. En français, c'est la différence entre l'amour et la haine. Avec automatiquement la ligne imaginaire dans le sable, le concept trompe ou la meilleure version est naturellement reconnue. Promenez-vous autour de la métaphore dans le sub avec faveur, avec toi-même. Avez faveur avec vous-même. Créez votre discussion sur la connexion santé-énergie saine. Aller copier ça. Je me cherche français ici, là. Ce que j'avais écrit. Et copier. Comme l'eau sur le dos d'un canard. C'est ainsi que nous libérons de l'énergie négative et accueillons une force renouvelée, qui veut dire une bonne énergie. OK. Là, en anglais. Contrast work truly gets into the nitty-gritty of what is healthy and what is not. In my mother tongue, French contrast work is the difference between, right, the good versus bad. The good versus evil.
The good versus unhealthy. The good versus toxic. The good versus codependent. The good versus. Always the good trumps. In the English language, we say love versus hate. So again, the good trumps. The good trumps. The not so good. We say the good that always trumps the not so good. Right? The not so good would be the hole in the ground from fears and resentment, from disrespect, from lack, from hurt. Right? In the French language, the difference between love and hate. Example, with the imaginary line in the sand that the trump, right? That trumps. The concept is the trumps. A concept is naturally recognized. So the good trumps, right? Healthy behavior trumps. Healthy thought patterns trumps, right? Forgiveness trumps. Understanding trumps. Knowledge trumps. Wisdom trumps in some cases. We got to make sure it's the wisdom of, from a place of love and safety and trust. Sometimes when we experience certain negative experience, like the hole in the ground concept, we're like, oh yeah, that's the second. We want to go back to plan A, right? Work a relationship in a healthy way with ourselves. Have favor with yourself. Create favor for yourself. Don't see yourself as the underdog. See yourself as an overcomer. Don't see yourself, so overcomer versus the underdog, for example, right? Create your healthy energy, health connection talk. Create your own healthy energy, health connection talk. You can do anything. You've got this.